trou se trouve. À chaque fois, tu as un bavardage. Hein? Tu es comment? Tu as mis pardon? Non, je suis fatiguée. Je m'en vais. Je vais aller chez mes parents. Mais les barrages là? Non, barrage là, c'est pas un problème. Ça n'a qu'à rester. J'ai plus que barrage là. J'ai plus que barrage là. Je suis fatiguée. Non, moi je ne fais pas. Faut prendre ta maison. Prends. Madame, c'est vraiment. Il y a quoi? Quel problème? Hey, confiance. Moi je vais. Je vais rentrer en famille. Parce que je suis fatiguée de mon mari. Matin, midi et soir, c'est les mêmes histoires. Matin, midi et soir, il va me gronder. C'est-à-dire même là, à l'entrée, s'il te voit le vigile, il dit non qu'il t'attrape en flingue de lit. Il va venir me trouver avec toi. Il va dire non que je suis avec toi. Tu veux rentrer même dans les toilettes. Il trouve que non. Genre, tu veux aller sortir avec le voisin. Est-ce que tu trouves ça là normal? Tu trouves ça normal? C'est vrai. Donc, je vais rentrer en famille, je vais le laisser. Non, il n'a qu'à prendre sa maison. Il n'a qu'à prendre tout. Non. Moi, je non, madame, viens prendre. Madame, viens prendre. Moi, mais tu te demandes. Toi, tu fais vivre vraiment. Si toi, tu es parti pour laisser vivre vraiment, il va devenir comment? Est-ce que lui sait que c'est mon ami là? Je le fais. Il ne sait pas. Il sait ça. Il ne sait pas. Il sait ça. Mais si tu connais ton mari. Il n'allait pas tout le temps me porter. C'est ton homme, il y a longtemps que vous êtes ensemble. C'est pourquoi je suis fatiguée aujourd'hui. Non, non, non. Je m'en vais. Je suis fatiguée de ses caprices. C'est quand si nous on parle avec lui. Mmh. C'est quand si on voit ce qu'on peut faire. Mmh. Tu as compris, non? Mais moi, je demande pardon. Il faut rester d'abord. Il y a la dernière fois, il m'a porté, mais devant les gens. Il m'a frappé devant les gens, oui. Il m'a frappé devant les gens. Je venais séparer, mais j'ai eu peur. Donc, tu l'as vu me frapper et puis tu n'es pas venu. Je vous ai attrapé. Tu vois, c'est tout ce que je fais. Non, 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 non. C'est son comportement. Non, non, qui est là. Tu peux discuter. C'est son comportement. Non, 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 non. Non, non, non. Toi-même, là, tu me fatigues. Je vous ai attrapé. Tu me fatigues. Tu vois, à cause de ça, tu dis, tu vas me quitter. C'est pour venir voir ton go. Tu as vu combien il est compliqué? Oui, 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 c'est ça. Tu as vu combien il est compliqué? Je vous ai attrapé. Je ne sais pas parce que tu prends du mal. Non, 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 je vous ai attrapé. Tu deviens André, un enfant. Au plein flagrant, je vous ai attrapé. Moi, je suis en train de demander pardon pour ne pas qu'elle te laisse. C'est faux. Je vous attrape au flagrant des soleils, au plein jour de tout le monde, tu tout le monde a vu. Tu racontes quoi? Tu es venu faire quoi avec lui? Moi, je suis en train de l'expliquer. Je dis, je m'en vais. C'est faux. Je suis fatiguée. Tu n'as pas dit que tu m'en vais. Tu dis, j'ai attrapé bagage là, tu as laissé bagage dans ma main. Tu dis, tu as va. Forcé pour que tu les vois. Voilà, je vous ai attrapé. Je suis en train de l'expliquer ce que tu as. Tu as attrapé qui? Moi. Moi, je tu as attrapé qui? Moi. Tu vous as attrapé? Moi, pardon, tu as demandé pardon à ta femme pour qu'elle reste avec toi. Si tu as venu m'accuser là, pardon. Ah, tu m'as quitté, pardon. Toi, tu vas jamais changer dans la vie. Moi, tu vas pas changer. Tu vas jamais changer. Regardez mon coco taillé comme ça là. Il se prend pour qui? Coco taillé là. Tu as vu ton coco. Lui là, c'est le mouton comme ça, toi, tu prends pour s'amuser. Regardez-moi comment il est là-bas. Pardon, faut pas partir. C'est toi-même là, moi je te comprends pas. Pardon, faut pas partir. Toi aussi. Tu demandes quelque chose, tu refuses de me donner. Tu te dis que c'est pas mon argent. L'argent là, c'est pas pour toi. C'est pas pour moi. L'argent, moi je l'ai vu dans ta poche, tu comptais comme ça, 500 000. C'est pour Imam, c'est pas pour moi. C'est pour Imam. Quel Imam? Même Imam là. Ah, voilà, Dieu merci. Voilà, voilà. Dieu merci. Imam. Imam, salam alaikum. Je suis en train de lui dire que l'argent là, c'est ton argent. Quel argent? L'argent, c'est pas toi qui m'as donné l'argent hier. Il dit c'est ton argent. Oui, oui. C'est pour toi, Imo. Ah, c'est pour moi. Voilà, tu vois. Il me voit. Elle a mis l'argent dans ma main. Elle dit qu'il n'y a qu'à lui donner. Tu sais qu'elle dit que l'enfant là, on doit faire ce truc. Voilà l'argent qui est là. C'est une enveloppe que tu m'as donné là. Tu n'as même pas changé. Voilà l'enveloppe là. Tu l'as dit. Moi, j'ai l'argent. Mais tu sais que moi-même, j'ai un maladie. Je suis avare. Tu comprends, non? C'est un sérieux problème que j'ai. Hein? Mais lui, il ne comprend pas ça du tout, du tout. Tu vois? Pardon. Donc, je lui demande pardon. L'argent là, c'est pour toi. Il refuse. C'est pour moi. C'est ton argent qui est là? Oui. 500 000 là, Imam, c'est pour toi. C'est pour lui qui est là. Oui, Imam, il était mal. Bon, regarde, tiens ton argent. C'est pour moi. C'est pas ça qui est là. Pourquoi c'est ça ou bien c'est pas ça? Non, il y a 10 000 qui manquent. Pardon, on sait que j'ai donné aux jeunes. Les jeunes de Marseille. Ouais. C'est d'accord, Imam, il n'y a pas de souci. Comme tu dis, c'est pour toi là. Il n'y a pas de souci. J'ai compris. C'est ton argent. J'ai eu la chance. Pardon. Faut pas faire ça. Moi, tout ce que je peux te demander là. Pour rentrer. Non, je m'en vais. Comme il dit, l'argent t'appartient. Moi, je vais me retourner à la maison. C'est pour celui qui m'a donné. Il voulait une maison. Il voulait une maison. Je le laisse. Il voulait une maison. Il ne sait pas que c'est mon maison. Il a venu m'a donné l'argent. J'ai dit, non, moi, je vais faire quoi avec l'argent là? C'est ça que, voilà, c'est son argent. Il pensait que la maison là, ce n'est pas pour moi. Il veut payer pour payer les maisons. Puis son grand surprise. Imam, il n'y a pas de problème. C'est moi. Voilà, faut rentrer. Moi, je te demande pardon. D'accord, Imam. Tu sais, toi, tu dois comprendre voilà. Vraiment. La fois dernière à la mosquée, là, quand tu es venu me voir par rapport à son anniversaire, tu m'as dit quoi? Non. Quand moi, je t'ai dit que non, je n'allais pas rentrer là, tu m'as dit non.
Non, moi, mais il m'avait promis qu'il n'allait pas faire par là. Non, tu m'as dit de le prendre comme ça. Oui, tu m'avais dit de le prendre comme ça. Que moi, je suis habitué, toi, tu es habitué à lui. Donc, alhamdoulilah, elle-même me comprend aussi. D'accord. Je vais vous laisser. Salam alaykoum. Voilà. Tu vois, là, il gâte notre nom comme ça. Moi, mais il est pas terre. Ça. Ça va. Moi, mais je partais à la mosquée, là, mais je vais rentrer en même temps. Regarde, tu m'as sauvé. Non. Mais et l'argent? Quel argent? L'argent était donné là. C'est toi, c'est normal. Comment ça? Nous tous, là, on va devenir bandits maintenant. Si toi, tu crois que tu connais, tu vois clair que tout le monde là. Tu as payé caution hier, non? Ouais. Caution que je t'ai donné là. Oui. C'est Dieu qui a dit aussi que ça allait revenir dans ma poche. Et comment ça? Dieu ne ferait rien. Quand moi, j'ai demandé pardon à ta femme, elle n'est pas partie. Et je dois payer ça. Toi, tu te joues malhonnête. Nous tous, on peut être malhonnête. Ah, ça, c'est un imam qui devient malhonnête. Non, j'ai dit nous tous, on perd. C'est à coup de Dieu, on arrête. Tu fais un marimaï. Tu es un marimaïen. Tu es un mar... imam, il faut non, me donner mes 500 000 là. C'est quoi tu fais là? Faut pas me suivre. Mais c'est si pas... avant, si tu as donné hier pour caution de maison. C'est pour toi. Moi, j'ai dormi dans ta maison maintenant, sans payer. 5 francs. Je te donne pas Dieu vraiment. 5 francs. Hein? 5 francs. C'est moi qui te dis ça. Si tu ne crois pas, 5 francs. Hey, imam. Tout le monde, mes 500 000 là, il y a quoi? C'est quoi des femmes là que je t'ai donné? Toi, mais tu sais que tu as déjà payé caution avec. C'est ça la TV? Oui. L'argent sale. Hein? Ça que tu vois là, hein? 5 francs que tu lui donnes. Ça va pas rentrer dans ta bouche. C'est moi qui te dis ça. Tu t'es un garçon sur moi. Mon bouche, ça là. L'imam là est devenu marmaillé. Ouais. Ça là. Si tu as bouffé ça là. Tu vas faire son diarrhée, Konobori. T'es un catin. On va s'y attraper.